Ça va faire un an que j'ai fait la vidéo coup de gueule. Et ouais, ça commence à faire déjà. Et des fois, je m'amuse à aller voir les commentaires qu'il y a sous cette vidéo-là. Et je me tape énormément de tripes. Soit parce que je lis des conneries, soit parce que je lis mes réponses aux conneries, soit parce que je lis des personnes avec qui je parle régulièrement maintenant. Et euh, bah, c'était euh, le moment de la jeunesse, quoi. C'était le moment où on ne se connaissait pas, où on était pudique, où on se parlait simplement, gentiment. <laughs> non, mais c'est marrant en fait de retrouver ça d'il y a un an déjà. Juste, je voulais faire cette vidéo. Alors je sais, elle a peut-être aucun intérêt pour vous, mais je la fais vraiment parce que j'en ai envie, parce que ça fait longtemps aussi que j'avais envie de, de relire ces commentaires-là. Et j'avais commencé tout seul. Je me suis dit, mais euh, j'aimerais bien partager ça avec tout le monde. Avec les personnes de ma chaîne, parce qu'après tout, bah c'est vous qui m'avez laissé ces messages. Allez, c'est parti! Merci, merci, merci. Il y en a qui sont heureux hein, de ma vidéo. Putain, 737, j'aime pas, mais j'aime la vidéo. Good job. Merci, Chris. Ah, Ray. Voilà, Ray. Ray. Je sais pas pourquoi. Commentaire? Ray. Enfin, toi, t'as tout compris. Pas comme les autres. Merci, Antoine. Et oui, je suis le messie. Je suis celui qui comprend tout. Je suis la chaîne référence de Star Wars. Tu ne me connais pas? Exact, je suis d'accord. C'est comme les chaussures. Et d'ailleurs, c'est J. Dit quoi Pff, je m'en bats les couilles tant qu'on aime le film ça suffit presque limite en fait c'est presque le commentaire le plus intelligent parce que il dit bah moi je l'ai aimé j'en ai rien à foutre après des autres <laughs> limite c'est comme ça qu'il faudrait agir hein, des fois t'es comme ce film tu crains oui c'est abusé allez juste ça un seigneur site qui se bat contre un gars banal et qui est à deux doigts de perdre une femme qui tient un sabre pour la première fois et qui le bat et donne dans le nez. Et quel charisme, le méchant, quel charisme. Un Jonas Brothers version Tarlus gothique. <laughs> Cela dit, ça peut pas être plus pourri que la prélogie. Je te laisse te battre avec les autres. Oh, pourquoi Tout est dit. Désolé. Bravo, enfin Oh, mon petit Scott Ah, qu'est-ce qu'il m'avait dit à l'époque Non, autant je te suis dans tes autres vidéos, mais la première similitude arrive au bout de 15 minutes avec Po qui met les données dans BB-8 comme YA dans R2, et je ne suis pas d'accord. Ici, si, pour toute personne, Savoir C'est un remake du 4. Oh mon petit Scott euh... Ouf, j'ai eu peur. Je m'attendais à avoir un énième coup de gueule négatif et je pense que beaucoup sont dans ton cas. Tout le monde croyait que j'allais démonter le film, mais je vois tout le contraire. Je suis content de ne pas être le seul à avoir été énervé de toutes ces critiques de trois lignes avec 300 fautes. Voilà, c'est exactement ces critiques-là dont je parlais et d'une débilité profonde. Euh, j'ai rarement été autant énervé par rapport à des critiques de films. Donc merci beaucoup de partager cet avis. Après, moi je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais attends, ça a été créé, ça a été écrit par des Kiku. quest que t'en as à foutre de répondre à ces critiques euh, pourquoi est-ce que t'as fait cette vidéo coup de gueule et tout non si si je, je trouve que c'est bien justement de répondre à ces personnes là pour leur remettre les idées en place va falloir utiliser ces neurones oh alors là Argorate alors là ça ça fait ça fait énormément de débat regardez 76 réponses euh, ouais, bon, c'est une personne, je crois, qui a pas été euh, très très tendre, on va pas tout lire. Juste le début, va falloir utiliser ses neurones, je fais partie des critiques à une étoile qui étaye leurs propos avec des pavés que tu méprises tant, pas de soucis, je te le rends bien. Les gogols dans ton genre, qui ont pas de sens critique comme toi, font rire. Je vais pleurer moi. Qui te dit que je n'aime pas les pavés Qui te dit que je n'aime pas les avis construits Ce n'est pas ce que je réclame dans ma vidéo. Ton avis est vraiment très bien. Ok, je ne partage pas tout, mais il y a l'essentiel pour un avis construit et pas simplement lâche comme c'est de la merde. Donc je te le dis, j'apprécie ton avis et même te remercie d'avoir partagé. Voilà, J'essayais quand même un peu de. D'éteindre le feu et après là c'est parti en live. Il y a eu plein de réponses, je vais pas tout lire mais <laughs> il y a eu beaucoup de personnes qui se sont prêtées au, au débat aux commentaires. Hein, J'ai envie de dire merci pour cette vidéo, ça fait du bien. Il faut savoir que c'est en France que le bashing de ce film est omniprésent. Aux States il est très apprécié. Comparez donc les notes des sept films Star Wars sur Allociné et IMDb. Chez les Américains il se place au niveau de ROTJ et devant toute la prélogie chez nous, il est bon dernier. J'ai l'impression que les Français regardent trop le cinéma comme le 7ème art, alors que les Américains le considèrent plus comme un divertissement. Bah ouais, c'est vrai que du coup, si tu regardes le film avec un peu plus de recul, et que tu cherches pas les petites bêtes à chaque fois, bah forcément tu apprécies. En fait, ce qui veut dire, c'est que du coup, les Américains, eux, s'ils si ont kiffé le film, voilà, ils vont pas rechercher de savoir s'il y a des similitudes ou pas. Bon, on, on, on a une réputation de râleur aussi, nous les Français. C'est n'importe quoi ta vidéo. Carrément trop, je sais pas pourquoi je la commente alors. <laughs> ah oui, je me suis amusé. <laughs> oh putain. Ah oui, quand j'ai reçu des commentaires comme ça, au bout d'un moment, je m'amusais à répondre. Mais comme une grosse merde, je crois qu'on va s'amuser. Les prochains commentaires que je vois comme ça... Je vais lire mes réactions parce que des fois je me tape des barres sur moi-même. Oh mon petit Vorlex J'adore ta théorie sur Kylo Ren et son objectif de tuer Snoke. Et je suis de ton avis sur les origines de Ray Jedi du côté de Leia et Pilote du côté de Han. Dommage que tu ne parles pas d'autres points forts comme le personnage de Poe et de BB-8 avec la touche d'humour. Et qu'est-ce que j'ai bien pu te répondre Content que tu partages mes théories. Après, c'est vrai que je n'ai pas parlé de tout, ce n'était pas une analyse à la base mais je pourrais m'en charger ultérieurement et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait le décryptage total. Comme le méchant dans le film, je vais t'oublier. Tu fais bien. La vérité sur Star Wars 7, c'est que c'est de la m point barre pour toi, point barre. Oh, ça fait mal aux yeux. Mort de rire, Kylo Ren la gueule qu'il a, mort de rire avec ses oreilles décollées, le méchant le moins crédible du monde. Oh le pauvre, mais bon, OK, j'avoue avoir pensé la même chose quand il a enlevé son masque. Je me suis dit euh, c'est bon tu peux le remettre en fait <laughs> Oh que j'étais méchant <laughs> Je vais pas t'insulter mais tu mérites un peu quand même Mon petit Samuel Merci des infos sur Ray T'as juste oublié de parler de Finn Pas grave on verra dans le 8 Je l'ai vu 4 fois au ciné et il est le meilleur de la saga d'après moi Snoke c'est Dark Plébiscite Enculé tu penses à ceux qui aiment le film Oui moi par exemple <laughs> Et puis Kylo Ren n'est pas un Skywalker C'est un solo Et sa mère qui est-ce oh, Casse-couille Trop d'accord, frère. Wesh. <laughs> je parle tellement jamais comme ça. Oh, Julien. Ah oui. Oh là là, je me souviens de ça. Oh là là. Euh, en fait, il était venu pour faire sa pub. <laughs> Donc, bon, bah, je vais vous lire. Et c'est comme ça qu'on s'est connus au Et c'est comme ça que maintenant, bah, je l'apprécie. Salut, les gars. Je suis nouveau sur YouTube. Je fais des vidéos où j'explique comment je m'y prends pour créer ma web série Star Wars. Allez voir ma chaîne. Merci. Bye. Désolé pour la pub. Bah, du coup, tu vois, je te, je te refais une pub là, dans cette vidéo. Et moi, je lui ai dit. J'étais assez sec hein, quand même je dois bien avouer J'aurais préféré que tu postes ton avis avant de balancer une pub Je n'interdis pas de le faire mais c'est mieux avant pour ton image euh, Que pour le respect dans les commentaires de ma vidéo Bon courage à toi en tout cas et il m'a dit et c'est là où j'ai trouvé que justement il était, il était mature. Hein, il m'a dit salut, merci beaucoup de laisser ce commentaire. J'ai laissé des commentaires euh, du même genre sur d'autres chaînes et les gens ont réagi comme toi. Du coup, je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser ce genre de commentaires sur les chaînes des autres. Je ne fais euh, pas ça par intérêt personnel, c'est juste que ce projet de créer une web série dans l'univers de la Guerre des Étoiles me tient à cœur et que la communauté Star Wars aime bien les fan films. Mais j'avoue, c'est un peu un floude. Du coup, si tu as des conseils à me donner, je suis preneur. Merci encore. Et moi, je lui ai dit. Pas de quoi, écoute, je n'ai pas vraiment de conseil à part te dire de le faire parce que tu aimes le faire. Euh, si ce que tu fais te plaît, ça va se ressentir et les gens vont adhérer à ton univers et ton projet. Si tu souhaites promouvoir ta chaîne, tu as le droit de laisser des commentaires de la sorte sur différentes chaînes. Mais comme je te l'ai dit, tu devrais avant tout t'intéresser au contenu de celui sur lequel tu postes ton commentaire. Sinon, comment veux-tu que les autres s'intéressent au tien de contenu Donc, mon conseil, c'est de prendre le temps de regarder le contenu de la chaîne, pas toutes les vidéos non plus, d'y laisser ton avis et ensuite de dire que toi aussi, tu as des projets et que tu aimerais avoir du soutien. Ce sera plus professionnel, respectueux et on n'aura pas l'impression que tu balances ta pub en mode floute sans avoir pris le temps de t'intéresser à la vidéo correspondante. Bonne continuation. Tu as parfaitement raison, de plus mon intention n'est pas de mépriser le travail des autres. Je pense que ce que j'ai dit là, le commentaire, résume très bien ce, que, ce qui pourrait être dit à d'autres personnes qui, justement, viennent faire leur pub et tout ça. Je n'ai rien à m'ajouter. Trop bien ta vidéo, merci. Il est sérieux le mec là Oui, il est sérieux le mec là. Bravo, bravo et bravo, je suis tellement rassuré de voir que je ne suis pas le seul à rager dans mon coin contre ces gens qui se disent anti-moutons et qui se disent. Au-delà de ça, fan de Star Wars, Disney a eu les pipes de racheter les droits et de nous donner l'immense joie de vivre avec une nouvelle expérience Star Wars et les gens crachent dessus sans retenue. On oublie vraiment trop vite qu'il y a quelques temps encore, personne ne s'imaginait qu'il y aurait un Star Wars 7, puis 8 et enfin 9. Alors profitons et jugeons ces films sur l'ensemble des 9 et non pas film par film. Merci en tout cas pour ta vidéo et tu as raison, ça fait du bien. Et eh bah, ben, merci ton commentaire aussi, m'avait fait du bien. Minable vidéo, on critique pas la fille et l'histoire pour le fric, même Jean-Lucas a été dégoûté du film. Yep, minable vidéo, surtout pour une vidéo simplement personnelle. Si tu aimes le film, tant mieux pour toi, chacun a le droit d'être scatophile ou non. Exactement. Du haut de ton QI d'huître trisomique morte, je crois que tu n'as pas compris que je te qualifiais de scatophile. Euh, cuit d'huître dans le coma s'il te plaît, je préfère. <laughs> Putain, je m'amusais vraiment. Hein. Ce film c'est Star Naz 7, mais c'est pas un Star Wars. Yoda l'a dit, jamais ce film Star Wars, ce film ne sera. Yoda a un problème de syntaxe alors. <rire> <rire> Mort de rire, je t'adore, t'es trop con, Triso. Triso à Gogo, hé hé je suis un mongol, c'est vrai. Bah... Un trou de balle un peu tendu Juste un peu. Je me suis bien marré, excellent. Sinon, t'es à court de médicaments depuis quand Il paraît qu'il faut pas sombrer dans l'insulte, mais quand on voit des sommets de débilité pareils, c'est difficile. Non, mais cherche pas, je crois que j'ai touché le fond. là, ça y est, j'ai été loin là. Je devrais aller me pendre dans la minute qui suit. Je prendrai soin d'avaler de la javel juste avant, histoire de me purifier le corps. Ça compensera les médicaments que j'ai oublié de prendre depuis trois ans et demi. Je ne m'étais pas rendu compte de mon état. Merci de m'avoir ouvert les yeux. J'ai enfin compris ma voix. C'est celle de rejoindre les autres débiles au ciel, ma seule famille en fait. Adieu l'ami, tu m'as été d'une grande utilité. De rien. <laughs> Désolé, ce film, c'est horriblement un fucking fan service tellement intense que vous n'avez même pas eu l'impression de vous être fait fister le cul. Non, non, mon cul va très bien, j'ai aimé le film et je le revendique haut et fort. Tant mieux pour vous si vous aimez ça. Il a peut-être pris l'habitude. C'est pas les critiques qui sont de la merde, c'est ta vidéo. Ouais, puis au moins ce sont des commentaires comme les tiens qui font avancer les choses. Je suis à fond avec toi, l'auteur de la vidéo c'est un con et j'argumenterai pas parce que j'ai pas envie que ça sert à rien de façon. <laughs> oh, Wellstone, merci, tu n'imagines pas à quel point ça fait du bien d'entendre ces paroles. Tu détiens des arguments concrets qui démontrent... Que ce septième épisode de la saga est un digne successeur et qu'il a sa place dans l'univers, je suis soulagé de me rendre compte que je suis loin d'être la seule à trouver ce film amazing et la suite s'annonce tellement waouh sérieusement, encore bravo pour ta critique et ton coup de gueule qui m'a donné le sourire. Bonne continuation. Oh, et eh bien merci de ton commentaire qui m'a donné sourire également. Euh, je suis ravi que tu te sois retrouvé dans mes arguments et j'ai aussi hâte de connaître la suite de cette fabuleuse saga. Merci de ton avis. Ah, mon petit Timothée, totalement d'accord avec l'ensemble de tes critiques, en particulier de l'exploit de DJ Abrams et de ton point de vue sur les théories. Merci. Content que tu partages mon point de vue. Merci de ton avis, Timothée. Bravo, tout est dit là, franchement bravo. Merci. Pas mal l'analyse du masque. Merci. Ce film est une bouse pour toi. Je sais, j'ai pas de chance. Non. <laughs> mauvaise foi d'un fanboy Nope. Avis perso d'un jeune fan. Quelle mauvaise foi ou aveugle au choix Ou bien je donne mon avis <laughs> oh, J'ai été violent là. 5 minutes, je ne tiens plus. Précoce va. <laughs> je suis trop con. Mon oreille gauche a apprécié. C'est déjà ça. Ferme ta grosse mère, tu sers à rien, TG. Oui, tu as raison, je n'ai rien à faire sur cette planète, je devrais m'exiler dans une galaxie très lointaine. Puis tu as oublié aussi de dire que je suis con, puéril, pas doué, con comme un bambou en rut, dénué de tout raisonnement logique et moche. Franchement, t'aurais pu faire un effort sur ta critique, elle était loin d'être complète, tu m'as déçu. Merci de te la compléter, c'était important de souligner ce que tu dis en effet. <laughs> un bon Star Wars, des barres, trop des barres. TG mec. Certainement le commentaire le plus intelligent que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Merci Félix, tu es mon Dieu, ma divinité, je m'en remets à toi tout puissant. Ah, j'ai trouvé le commentaire de mon petit Maul. Merci pour avoir parlé au nom de toute la communauté de vrais fans de Star Wars qui, elle, a beaucoup aimé le film. S'il y a tant de critiques sur celui-ci malgré ses indéniables qualités, c'est dû à un stupide effet de mode qui est le c'était mieux avant LOL. Bref. Merci pour avoir parlé et dit ce que tu pensais et ainsi par la même occasion démonter tous les rageux. Pas de problème l'ami, je n'ai fait que dire ce que j'ai profondément pensé lors de ma seconde sortie de cinéma. Merci à toi d'avoir pris la peine de poster ton avis, c'est cool de ta part. Vidéo sans critique objective, lamentable et insultant. Normal pour une vidéo subjective, non Et voilà, on va s'arrêter ici pour la liste des commentaires alors il y en a plein 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 que j'ai passé hein. j'ai pas tout lu hein. sinon comme je vous ai dit on, on en aurait pour des jours et des jours euh, mais moi je sais pas ça me fait rire ou du bien tout dépend les commentaires hein. ça, ça me fait rire ou du bien de, de, de regarder ces, ces commentaires là ça fait déjà un an euh, et puis je, je suis toujours impressionné par euh, par la montée en puissance de cette vidéo complètement inattendue. Euh, autant euh, positivement que négativement, comme hein, euh, euh, vous avez pu le voir, euh, j'ai surtout parlé des, des commentaires qui m'ont euh, qui m'ont insulté ou qui n'étaient pas d'accord avec moi. C'est vrai que je ne vous ai pas forcément euh, montré euh, les commentaires qui étaient d'accord avec moi parce que euh, soit bon, bah, je vous en ai dit quelques-uns et puis après ça suffisait, que ça ne sert à rien de, de toujours dire oui, euh, bah voilà, bah, écoute, euh, je trouve que tu as raison et tout. Et puis la plupart du temps, les gens argumentaient et écrivaient beaucoup de choses et euh, j'aurais passé mon temps à lire euh, des commentaires de six pieds de long et et c'était pas le but. Sinon, vous allez directement sur la vidéo et puis vous regardez les commentaires. Il y en a plein que j'ai passé, donc il y en a plein euh, sur lesquels vous pourrez vous taper des barres ou alors être d'accord avec les personnes. Il y a franchement. Euh, c'est une mine d'or. C'est un forum à lui-même. La section commentaire de cette vidéo, c'est un forum. Hein. Il y a des gens qui se répondent, qui s'insultent, qui. Il y a de tout. C'est l'univers de Star Wars, quoi. En, 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 en une section commentaire d'une vidéo, quoi. <laughs> Enfin bon, j'ai trouvé, trouvé ça drôle. Euh, toutes les réponses que j'ai pu donner quand, quand, je, quand je trollais un trolleur qui m'a trollé, euh, voilà, c'était pas méchant, c'était juste pour rigoler, et euh, j'espère que vous l'avez compris, hein, évidemment. Et euh, quand euh, voilà je lis mes commentaires, euh, bah, ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, simplement pour montrer bah, comment ça s'est passé il y a un an ou il y a quelques mois, euh, Voilà, parce que tu as, as des commentaires qui sont arrivés quand même aussi bien après. Voilà, c'est juste juste pour se marrer. C'était cool et euh, je dis pas que je le referai pas parce que j'aime bien. Je, en fait, j'aime bien lire vos commentaires. C'est pour ça aussi que j'étais parti sur les vidéos vos théories euh, que je continuerai bien évidemment, surtout si j'ai des bonnes théories. Mais euh, passer un temps, je voulais carrément créer, euh, je sais pas, une section sur ma chaîne YouTube où je lisais vos commentaires parce que il y en a que je trouvais intéressant, il y en a que je trouvais marrant, il y en a que. Voilà. Et euh, ça fait... Mais ça fait super longtemps, ça fait presque depuis le début que je voulais faire ça, que je voulais lire les commentaires de cette vidéo-là. Et du coup, je le fais un an après. Bon, voilà, allez, cette vidéo a déjà été bien trop longue. Je vous laisse retourner bien à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.